Et bonjour tout le monde. Bonjour. Regardez derrière nous. Le soleil qui se lève. Magnifique. Donc on a dormi au col de la Pierre Saint-Martin. Et on va faire le pic d'Annie depuis le col de la Pierre Saint-Martin. Donc qui est une alternative au départ depuis côté français la Béroite. Et depuis la station de la Pierre Saint-Martin. Donc nous on a choisi de partir depuis le col. Il y a un peu moins de dénivelé, un peu moins de kilométrage parce qu'aujourd'hui il va faire très très chaud. Donc il y a du vent pour l'instant, le vent est très chaud déjà. Il est quelle heure? 7h15. Voilà, 7h15 et il fait déjà très très chaud. On y va? On va y aller. Allez, c'est parti. Allez, balance. Là-bas, c'est le col où on est garé. Un pic d'Ory. On arrive à une bifurcation. Alors droit devant nous là, c'est l'arrivée depuis la Pierre Saint-Martin. Nous on arrive d'ici et on va par là. Hein, toute la dangerosité du secteur du pic d'Annie. Il y a des failles partout. Là, le bel. Oh là là. C'est ça que l'hiver ici, c'est très très dangereux. Allez. Ah, c'est pas là? Bah si, c'est là-dedans. Hein. Retourne. Bah oui. Y a pas d'autre chemin. Voilà, et après, c'est parti pour le dédale jusqu'au pic d'Annie.
Oui, mais le caillou pour venir ici. Hein? Faut aimer le caillou pour venir ici. Hein? Ah oui. C'est sûr. Après, c'est magnifique. Ah, c'est hautement minéral. Heureusement qu'on est à l'ombre. Hein. Ouais. Ça fait du bien. C'est chaud, il fait déjà chaud. Très très chaud. Cache-cache ici. Ouais. Des failles partout. Tu comprends pourquoi c'est dangereux l'hiver, ouais. Et qu'il y en a qui tombent dans des failles. Ouais. Pour venir, hein. Si t'as pas la trace GPS qui va bien. Même. Dany. Il y en a encore des canyons, des dédales, des failles à passer. Là, il y a de la neige en bas encore, dans le trou. Ah ouais. C'est plus haut, hein. Ouais. On va suivre ce sentier pour rejoindre le col des Annies. Et ensuite, on voit la Sente sous le pic d'Annie. Ah ben voilà, donc là, le sentier est bien marqué, et on va rejoindre la droite du pic d'Annie là-bas. Ça, c'est la montagne russe. Ah ouais. Crevant, hein. Ah ouais, c'est crevant. Là, on va rejoindre le sentier qu'on aperçoit juste au-dessus du cairn devant nous. On voit bien qu'il passe sous le pic d'Annie. Ça y est, on a rejoint le chemin officiel. Le pic d'Annie est tout là-haut. Nous, on arrive de là-bas. Il y a la glace, on est passé au pied tout à l'heure. On retrouve l'ombre un peu.
C'est pas de mal, ouais. Qu'est-ce que ça cogne? Le peu qu'on a été au soleil, il est tôt. Bon allez, premier petit pas d'escalade. Il y a deux autres cheminées à passer. Ça y est, on arrive au pied de la cheminée. On va plier le bâton. Deuxième partie. Allez, partie finale. Salut.
Allez, c'est reparti. Bon, méfiette dans la descente. Ouais, ça glisse un peu. Ouais, ça glisse et puis c'est raide. Hein. C'est vrai que ce final, il est raide. Hein. Ah ouais. C'est quoi, ça fait 200 mètres 150 Non, 150. Là, 150, ouais. C'est vrai que c'est les murs. Très raide au final. Bon, ça va, c'est l'autoroute, la descente là. Oui, presque, oui. Ouais, c'est plus sympathique comme terrain là. Allez, c'est reparti pour la cheminée. C'est beau. Tu le sens ce petit vent en étant à l'ombre, comme c'est sympathique. Comment? Tu le sens ce petit vent en étant à l'ombre, comme c'est sympathique. J'ai remarqué qu'il y en avait toujours moins chaud à l'ombre qu'au soleil. C'est bizarre. Évidemment. Hein? C'est bon. Ouais. On va pas avoir chaud bientôt. Oui. Et puis on va avoir chaud pour un moment. Hein. Faut qu'on rejoigne le pied de la glace là-bas. À moi. C'est là qu'on peut remettre. Ouais. Là, un nouveau le balisage jaune pour nous guider jusqu'à la pierre Saint-Martin.
hein, l'hiver. Tu passes sur un pont de neige là-dedans. On te retrouve au printemps d'après. Des petits trous, toujours des petits trous. Il y a quelque chose, hein. Des dolines partout. Enfin, des dolines. Des gouffres, peut-être. En dessous, on va savoir. Ah, pour descendre côté la Berouate, c'est par ici. Nous on file côté Pierre-Saint-Martin. Il fait pas loin de 42 degrés là, non? 43, t'as toi? Putain, elle fait chaud. Hein? Ah oui, il y a plein de nuages en effet. Il y en a un qui pouvait se mettre devant le soleil. C'est la montagne qui veut pas te lâcher. Elle veut pas te voir partir. Alors celui-là, je peux vous dire qu'il fait du bien. Ça va pas durer longtemps. Un petit peu d'ombre. Un pic d'Annie, une paire de chaussures, c'est ça? C'est ça. C'est un budget assez cher quand même. Au niveau des chaussures. T'as le cou qui chauffe ou quoi? J'ai le cou qui cuit. Le cou qui cuit? J'ai le cou qui cuit. Ah ouais. On va faire une saharienne. Moi, j'ai une casquette saharienne. Une casquette, hein? Eh ben, bon, allez. Il n'y a plus de cailloux bientôt. Bientôt, hein? Bon, il faut qu'on rejoigne le panneau qui est là. On n'est pas arrivé encore. Et là, je peux vous assurer qu'il fait vraiment très très chaud. Mais vraiment très chaud.
pas une souffle d'air, on est enfermé dans ce canyon. C'est chaud, oui. La moulo est chaude. Vous pouvez mettre un café, madame. On dort là ? Alors, moi. Cette nuit, on n'a pas eu froid. Hein. C'est dû ? Allez. Qu'on rejoigne le col droit devant nous là-bas. Mon JP vient de me rebaptiser le cocker parce qu'apparemment j'ai deux oreilles sur les côtés, enfin une oreille de chaque côté plutôt. N'importe quoi, hein. Bah oui, hein, ça fait ça. En attendant, j'ai plus le cookie chauffe. Le cookie cuit, pardon. Le cookie cuit. Le cookie cuit. Ouais, dernière remontée jusqu'au panneau. Enfin, je pense que c'est la dernière montée. Heureusement, il y a de plus en plus de nuages. Ça fait du bien. Allez, ça y est, pic d'Annie par le col des Annies via la HRP, c'est fait. Il est là-bas le col d'Annie. On vient de traverser tout ça. C'est fini le caillou. Pas sûr, hein. Non ? Deux ou trois, moi. Bon. Ah. Ça s'arrête. Ça cabale, tu sais. Ah oui, bah c'est bon, c'est presque fini. Ouais. Ah, on va retomber à la cabane, contourner la relâche par la gauche et retrouver le col où sont garées les voitures. Dans 2 minutes 30, on y est. 2 minutes 45. Ça fait du bien l'herbe. Ça repose un peu. Ah ouais. Ah, col en vue. Bon, pas de regret, on monte pas la race. Ouais, ça monterait d'un. Ouais, c'est pas long, mais c'est ouais. Allez, on va suivre le petit sentier en balcon là-bas qui va nous ramener au niveau du col. Oh, c'est la seule petite source qu'on a vue depuis le départ. Ouais, que ça reste, non ? Allez, bientôt fini.
à l'heure on frôlait les 42 degrés, mais là c'est les 52, non? Ouais, 75. Hein. On cuit. On cuit, cuit, cuit. Une horreur pour terminer. Allô, mais... Et bonne nuit tout le monde. Ah bon coup d'abord avant de dormir. Hein. Ah, et puis il y a la route. Ouais. On s'est régalé. Le pic d'Anis de ce côté, pour moi, c'est beaucoup plus joli que depuis la Buberboîte. C'est pas pareil, mais là j'ai beaucoup aimé. C'est plus court, c'est quoi les chiffres? 14,5 920. Après, je ne me rappelle plus comment c'était l'autre côté, mais c'est plus court quand même ici. Ouais, c'est plus court. Mais c'est difficile, parce que le terrain, Terrain est très dur dès le départ, en fait, quasiment dès le départ. Ouais. Mais on s'est régalé, c'était trop trop bien. On a eu trop trop chaud. Et là, on a trop trop soif. Ouais. Allez, check. 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 Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao.